Madame Monsieur Bonsoir. Bonjour, bonjour. Pop, pop, pop. Hello. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Et bonsoir, jeune homme. Ravi de vous accueillir en ce vendredi 25 février, vous qui êtes tranquillement installé à la maison. Nous allons accueillir immédiatement celui qui va être avec nous pendant cette émission. Il y aura ni oui ni non à la fin de cette émission, vous savez, car nous sommes vendredi. Bien sûr, et nous allons donc accueillir celui qui va être avec nous pendant une heure maintenant. C'est un auteur, c'est un chanteur, c'est un artiste complet puisqu'il fait aussi de la peinture. Voici Nino Ferrer, mesdames et messieurs, applaudissements. Extrêmement chaleureux, Nino Ferrer, le voici, l'homme. Comment allez-vous, Nino? Bien? Ah, très bien. Impeccable? Impeccable. Pas de problème d'urticaire dans l'obus? Non, je m'attendais à plus de vivacité dans le mouvement ascensionnel tout de même. Ah, mais on vous l'a mis au numéro 1. Voilà. Tout à l'heure, on le refera pendant la pub. Numéro 6, c'est super. On va parler tout à l'heure de rien du tout, puisque évidemment, c'est de votre actualité. Non, mais je voulais faire une énigme, mais comme nous sommes vendredi, c'est un ni oui ni non, je l'ai déjà dit. Et on va donc s'installer, si vous voulez bien. Absolument. Très bien, immédiatement. Immédiatement. Demi-tour. De suite. Mesdames, messieurs, Bernard Bélis, Patrice Carmouze. Hop, 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 hop. Bonjour Patrice. Bonjour. Comment ça va Patrice en cette fin de semaine? Ça va bien, mais je crois que la table, elle ne fera pas l'année. Elle ne fera pas l'année? Il me semble qu'elle est de plus en plus poussive. On mettra un petit peu d'huile dans le roulage. On va mettre un peu d'huile. Patrice Nino, Nino Patrice. Bonsoir. Nino. Bonsoir. Bernard Nino. Enchanté. Bonsoir. Bernard Bélis, Bernard Nino. Voilà. Bernard Bélis, de quoi s'agit-il ce soir? C'est le spécialiste Nino en magie. Je l'ai déjà dit. Lui. Ouais. Je l'ai déjà dit. L'étranger, le monde entier. Le monde entier nous l'envie. Et nous l'envie. Voilà. Et il est là. Et il est là ce soir. Et il va probablement. Est-ce que vous êtes amateur? Est-ce que vous aimez ou pas? Si, je suis très très amateur. Je suis fasciné complètement par cet art. Ouais. Ouais, absolument. Eh bien, écoutez, on y va alors. Hein. Faites attention parce qu'il voit très bien les trucs. Oui. Qui ça? Nino. Ah oui, oui. Bien. Ah, comment le savez-vous? Mais il n'y a pas de truc. Bah oui, faut rêver. Ça, ouais. Il n'y a pas de truc. Faut rêver. Faut rêver. Bien. Nino, je vais demander de mettre votre main à plat comme ceci. Laquelle? Est-ce que c'est la main gauche? Est-ce que vous savez quel est votre nombre de prédilection? Non, enfin. C'est un nombre pas, de 4 chiffres, je vois apparemment. On va le marquer, hein, je le marque ici. Mmh. Voilà. Je sens Christophe très très sceptique. Pas du tout. Ah bon, voilà, et on y va. Ça, c'est votre nom, à mon avis, c'est votre... mais on va vérifier, hein, on va vérifier tout de suite. On va le plier et on le laisse en évidence. Donc, ça, c'est bon. Le chiffre, le nombre de prédilections que préfère donc Nino. Nino. Mmh. Non, de prédilection, ça veut pas dire qu'il préfère. Il peut l'ignorer. Prédilection, c'est-à-dire c'est celui qui pourra marquer sa vie. Voilà. Qui lui va le mieux. Très bien. Je vais vous demander de marquer, vous êtes d'accord qu'on ne se connaît pas? Oui. Vous connaissez ou pas? Non, c'est important. Non, est-ce que vous connaissez? Non, on ne s'est jamais rencontré et il ne me semble pas vous avoir vu. Voilà. Bon. Alors vous marquez votre année de naissance sur le papier. Quoi, avec les 4 chiffres? Oui, avec les 4 chiffres, oui. Mais dis donc, c'est très indiscret. Oui. C'est très indiscret. C'est très indiscret. Oui. Oui, mais attention, on n'est pas obligé de le montrer à l'écran. Ah ben on le montre pas. Je n'ai pas de ces pudeurs, de toute façon. Hein? Je n'ai pas de ces pudeurs. Ah voilà, vous n'avez pas de ces pudeurs. Non. Bon. Très bien. Alors ça va. Aligné avec c'est ce chiffre. Aligné avec ce chiffre, je vous demandais de mettre l'année de naissance d'une personne qui vous est très proche. Oui. Oui. Non, aligné comme si on allait faire une addition, hein. Ah, en dessous. Très bien. Nous, on va parler un petit peu entre nous pendant ce temps-là. On va faire un petit truc, nous. Oui. Parce que tout à l'heure, on va faire un petit... Alors, on va continuer, puisqu'ils sont très occupés. Je vous demandais de marquer votre âge, toujours aligné pour une addition. Ah oui, mais ça ne sera que... Que deux chiffres. Que deux chiffres. Ben, j'espère. Donc, vers la fin. Oui, tout à fait. Ah oui, mais alors, je vais bientôt changer d'âge. Est-ce que vous marquez l'âge que vous allez avoir en 94. Que je vais avoir lors de mon prochain anniversaire. En 94, cette année. Et pareil pour l'autre personne. L'autre personne. Voilà, maintenant vous faites l'addition du tout. Moi, et on en raconte encore une petite. Oui, allez-y, faites l'addition. Alors là, ça va être difficile. Hein. Ah bah attendez, ils vont vous aider, Christophe. Un petit coup de main pour l'addition. On n'a pas le tableau. Sept, c'est pas mercredi. 11 et 7. 11 et 7, 18. 19, n'est-ce pas? 18, c'est ça. 11 et 7, 18. 8, je retiens 1.
84 et 88 et 4, 12, 2, je retiens 2, 9 et 9, 18. 3880 et 60. 3880 et 60. 3881 et 60, 41. Non, ça fait 0, je retiens 2, 1, 2, 4. Non, mais vous avez fait une erreur là. J'ai fait une erreur. 1941 et 47. Oh là, vous avez fait une erreur. Attendez, donc ça fait 8 ici. Ah oui, d'accord, c'est moi qui me suis gouré. Oui, oui. 9 et 9, 18 et la retenue. Ça fait 19. 9. Voilà. Mmh. Ce qui nous fait 1988. 3900, c'est un 3. C'est ce qu'on a trouvé. 3988. Et vous pouvez regarder sur papier. 3988. Ah ouais, mais non, mais ça marche pas, ça. Il y a un truc, là. Il n'y a pas de truc, non. C'est votre nombre de prédilection. Mais c'est pas possible. Nino, enfin, c'est peut-être pas possible, mais là, en tout cas, c'est 3988. C'est ce. Et c'est a priori 19 et 19. 19, 19, 19, 19. À mon avis, il y a un truc, hein, quand même. Ah, oui. Non, on est là pour. Et vous voulez pas le donner, le truc, une fois, de temps en temps. Soyez pas égoïste. Je donne souvent des trucs. Non, rien, vous nous donnez des bouts de saucisse, des trucs. Ah oui, pour gagner des paris et tout. Voilà, non, parce que vous mais pouviez... ça. Bon, vous voulez que je vous l'explique? Oui. Bon, alors en fait, c'est très simple. Mais messieurs, pour la première fois, vous allez assister à l'explication. C'est très, très simple. En fait, le total, le nombre qui sort, c'est l'addition de. Chaque année, non? Non, c'est l'addition de l'année en cours multiplié par, enfin deux fois multiplié, l'année en cours multiplié par deux, 3988. C'est 1994 par deux. Voilà, puisque regardez bien. Mais comment pouvez-vous arriver à 1994 par deux avec les dates de naissance? C'est très simple, parce qu'on on additionne 1934, d'accord, 1947 pour la personne que je ne connaissais pas et que je non. Après je demande l'âge. Que je ne veux pas connaître. Il suffit d'aller jusqu'à 94. Voilà, exactement. Après je demande l'âge, donc obligatoirement 60, ça correspond au complément, ouais, avec 1934. Et 47, ça correspond au complément avec 1947. Et si vous additionnez, vous arrivez obligatoirement à 3988. J'ai rien compris. C'est pas compris, c'est facile. On vous l'expliquera. Voilà. Il va faire un autre tour. On va faire un autre. Je vous l'expliquerai, oui. J'applaudis, mais je n'ai rien compris. Facile. Alors, je voudrais juste, si vous pouvez faire une petite interruption, si vous avez en stock des monsieur et madame, vous savez qu'en ce moment, on joue un petit peu aux monsieur et madame machin, ont un enfant, fils ou fille, hein. Vous nous les envoyez, bien évidemment, et vous aurez la possibilité d'avoir un petit cadeau en contrepartie. De quoi nous pourrons utiliser votre blague à l'antenne. Très bien. Pour le tour suivant, je vais avoir besoin d'un billet de 100 francs en assez bon état. Un billet de 100 francs. Alors, en général, c'est marrant, ça court pas les rues, oui, hein, les gens qui lèvent la main. C'est qui est-ce qui veut un petit bisou? Personne. Il y a plein de filles qui lèvent le doigt pour Bernard. Ah, très bien. Ah, monsieur là-haut, on a. Non, 100, c'est bien. 100 ici, là. Non, 300 à droite. 300, 300 à droite. 300, 350, voilà. Monsieur. Merci, monsieur. 350, 380. Et voilà, ça, c'est le billet de monsieur. Qui est-ce, monsieur? Où est-ce qu'il est, monsieur? Où est-ce qu'il est, monsieur? Il est balèze, Bernard, faites attention. Ouais. Oui. Monsieur, il a l'air costaud. Regardez bien. Si on prend le billet, on le plie en quatre comme ceci. Chut, et on le déchire. Je vous ai dit, il est balèze. Hein? Il suffit de mettre le petit morceau ici. Il, de a, faire l'air, il a l'air furieux. On va le rendre à monsieur. Mais étant donné que monsieur a été très sympathique, mettez-vous là, voilà. On a plus gros plan. Rapprochez-vous avec la caméra du visage de Bernard, voilà. Jeune homme. D'accord. Ça y est. Non, approchez-vous de la caméra très près. Sérieusement. Encore. Regardez-la bien. Regardez encore. Non, regardez la caméra. Très joli. Très joli, Bernard. Merci, Bernard. Merci. Bien. Alors, attention. Le billet, on va le plier une fois. Deux fois. Et trois fois comme ceci. Voilà. On le plie une autre fois dans ce sens-là. Et là, regardez bien, si on fait... Très rapidement, on peut s'apercevoir que le billet de 100 francs de monsieur s'est transformé en billet de 200. Le monsieur est ravi. Le monsieur est ravi. Le monsieur est ravi. Allez, 15 ans. Joli et généreux. Ah. Il va prendre 15 ans. 15 ans ferme, ça vaut. Non, c'est généreux. Ça vaut 15 ans ferme. Pourquoi 15 ans ferme? Bah, de faire 200 francs avec 100 francs, c'est de la fabrication de fausse monnaie. Fausse monnaie, ouais, fausse monnaie. Oui, mais enfin, ça, c'est plus sympathique pour monsieur que s'il avait pris un billet de 200 francs qu'il avait transformé en 100 francs. Oui, oui, ça. Ah. Rapidement, Bernard. Un autre? Rapidement pour la route. Ah, si vous voulez. Avec des allumettes. Avec des allumettes. Nino, est-ce que vous pouvez me dire combien à peu près il y a d'allumettes? Vous en voyez combien à peu près? Je sais pas, une quinzaine. Une quinzaine. Si j'en enlève une comme ceci. Regardez bien. Vous mettez votre main à plat.
Pour identifier cette allumette, nous allons la brûler. Voilà. Vous mettez l'autre main par-dessus. Et regardez bien si on fait... L'allumette disparaît, vous ouvrez la main. Une allumette est revenue dans le paquet, elle est brûlée et elle est toujours accrochée. Ouais, ça va. Ça va. Merci Bernard. Merci. On va se retrouver avec Patrice, avec Lino et tout le team après la pub. A tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Voici le retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio, avec Lino Ferrer. Et alors, deux témoins, Patrice. Deux témoins qui sont deux vétérinaires. Et là, on va parler de nature, et ça, vous êtes campagnard. Absolument. Vous êtes en campagne, même assez loin de la capitale. Donc la nature, j'imagine, est quelque chose que vous êtes allé rechercher là-bas. Très, très important pour moi, ouais. Dans le Quercy, dans le Lot. Dans le Lot, oui. C'est ça ? La nature et les chevaux, hein ? Tous les animaux en général. Ah bah, ça tombe bien, parce que là, on va surtout parler de ceux qui sont en voie de disparition. En voie de disparition. Et alors, il y a des animaux qu'on connaît. Avec Jean-François Lagros. Jean-François Lagros. Bonjour. Et Isabelle Proutot, qui sont deux vétérinaires itinérants, qui ont fait un tour du monde comme ça, pour repérer quelles étaient les races en voie de disparition. Pas celles qu'on connaît tous, genre les éléphants, bon, tout le monde sait qu'ils sont en voie de disparition, mais c'est des animaux dont on ne parle pas, hein. C'est ça ? On ne parle pas trop, non. Il y a le rhinocéros, l'éléphant qui sont au hit parade. Et nous, on a préféré aller en voir certains dont personne ne parle et qui disparaissent en fait sans que... Comment vous expliquez qu'on parle plus d'une race que d'une autre qui est en voie de disparition et que c'est exactement aussi grave ? Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont en voie de disparition et si on parlait de tous, c'est difficile d'en faire des vedettes. Et tous ne sont pas en voie de disparition pour les mêmes raisons. Il y en a parce qu'on les chasse, il y en a d'autres parce que c'est la nature qui fait qu'ils ne se reproduisent plus. Voilà, il y en a c'est parce qu'on les chasse, d'autres parce que c'est leur environnement qui disparaît, ça c'est assez connu. Alors quels sont ces animaux et qu'est-ce qui vous attache chez eux, qu'est-ce qui vous passionne chez eux On a fait un tour du monde en allant rendre visite à plusieurs animaux, en essayant de les photographier, de les retrouver moto, d'abord, à moto. De les photographier à moto. Tous les deux sur la même moto? Non, nous avons deux motos et nous partons chacun avec 50 kilos de bagages. Et donc on vous voit là. Avec traversée, je sais pas quoi. Oui, voilà. Là, on est en Amazonie, au Guyana. Où alors, ça va pas toujours très vite. Je sais pas quoi, ça a l'air d'être une rivière, Patrice. Une rivière, oui. Mais non, c'est la route, C'est la route, oui. Oui, oui. C'est une route qui fait 100 km. On a quand même mis une semaine à la traverser, mais on a réussi. Alors, dites-nous un peu qui sont ces animaux et comment savez-vous que ce sont des animaux qui sont en voie de disparition? Parce que d'abord, on a essayé de rencontrer des gens qui sont compétents dans le domaine, comme des gens qui travaillent au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, et qui nous ont aiguillés sur certains animaux qui nous intéressaient parce que, à vrai dire, nous, même en tant que vétérinaires, on ne les connaissait pas. Par exemple, disons... le rhinocéros de Java, qui est un rhinocéros asiatique, qui est un tout petit rhinocéros, qu'on voit ici sur cette image. Celui-là, c'est un rhinocéros indonésien. Ah il est beaucoup plus petit que le rhinocéros qu'on connaît en Afrique. Mais enfin, il fait quand même probablement plusieurs centaines de kilos. Oui, quand même, oui. La différence, c'est quoi? C'est les cornes, hein? Oui, les cornes. Donc, celui-ci, c'est un rhinocéros de Sumatra, il a deux cornes, mais celui de Java n'en a qu'une. Et, enfin, n'en a qu'une, deux cornes. Et... et il n'en reste qu'une quarantaine, donc on a essayé de mettre... Alors ça disparaît sur... pourquoi? Ça disparaît parce que d'abord son habitat disparaît. Son habitat, oui. Et ensuite parce qu'il a failli être victime de catastrophes naturelles, puisqu'il est à côté du volcan Krakatoa, et qu'il y a eu une énorme éruption au début du siècle. Qui a fait disparaître un paquet de... Qui a fait disparaître un paquet de rhinocéros. Et ensuite il a été beaucoup chassé. Alors, vous dites... territoire, on n'en trouve plus que sur une presqu'île qui est justement à côté de ce volcan. Enfin vous dites, bon, on s'intéresse aux animaux qui ne sont pas connus, le rhinocéros c'est quand même un des animaux dont on sait que c'est très grave. Asiatique. D'accord, mais ça reste un rhino. Je veux dire, l'emblème du rhinocéros qui disparaît, y compris le blanc et tout ça. Celui-ci, c'est vraiment un cas crucial parce qu'il en reste plus que 40. Ils ont peu de chances de survivre, non? Assez peu. C'est-à-dire que génétiquement, quand il n'y a plus que 40 animaux, ils ont beau se reproduire comme des lapins et pourtant ce ne sont pas des lapins. Il suffit qu'il y ait une épidémie et ils vont tous disparaître. C'est fini. Il n'y en a pas d'autres endroits. Donc on sait que c'est foutu. On ne peut même pas les implanter dans une réserve. Non, ce n'est pas fichu, mais il faut faire des efforts intensifs pour que ça survive. Genre. Et dernièrement, il y a quelque chose d'important, c'est que dernièrement, dernièrement, on a trouvé une petite population au Vietnam qui avait survécu à la guerre, d'une dizaine de rhinocéros, et avec lesquels on va pouvoir avoir un apport génétique nouveau, et mélanger ces animaux, et avoir peut-être un sursis pour la Vous les trouvez, ils sont bien évidemment totalement à l'état sauvage, seuls, et vous arrivez à les approcher, les attraper? C'est parfois long. Les attraper, non, ça n'est pas le but de l'opération. On arrive à les attraper dans la boîte de l'appareil photo, mais pas plus. Mais si on veut les sauver, par exemple?
Non, vous n'avez pas intérêt à les amener ailleurs, les... Non, il y a des théories qui voudraient les capturer, les faire se reproduire en captivité, mais ce sont souvent des animaux qui sont très sensibles au stress, et si on les capture, on a plus de chances de les tuer que les... Voyons quelques images, Patrice, si vous le désirez bien. Voilà, c'est des ibis rouges. Alors ça, c'est en Guyane, je crois. Voilà, oui, c'est en Guyane française. Et ça, ce sont des oiseaux. Des oiseaux. Qui eux aussi sont en voie de disparition, surtout en Guyane, où ils sont chassés pour les plumes avec lesquelles on fait des fleurs artificielles. Et c'est rouge. C'est beau, hein. Oui. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que magnifique. Ces ibis rouges sont sur le centre spatial guyanais, donc à côté de la fusée Ariane qui décolle, qui est tous les mois. Parce qu'ils savent que là, ils sont peinards. Ils savent que là, peut-être, ils sont peinards, mais ils vivent dans la mangrove. Ils font un peu de bruit une fois de temps en temps, mais au moins le territoire est protégé. Oui, c'est comme les lapins ou les mouettes sur les aéroports. Ils adorent être là parce qu'ils savent qu'ils sont peinards, pas chassés, pas embêtés. Et ça, c'est un terrain tranquille. C'est tué pour faire des fleurs artificielles. Oui, c'est bien triste. C'est bien con, même. Est-ce que ça, c'est le babiroussa, c'est ça? Ah oui, alors le babiroussa a une particularité, c'est que. C'est un cochon sauvage. Il vit au Célèbre, donc en face de Bornéo. Et il a les canines du haut. Qui, au lieu de pousser vers le bas comme un sanglier, pousse vers le haut et passe à travers la boîte crânienne et ressort, troue la peau, ressort sur le dessus du crâne. Les cornes poussent en s'arrondissant comme ça vers l'arrière. Oh. Et il arrive même qu'elle perfore la boîte crânienne. Il se tue quand ça perfore la boîte crânienne ou pas? Ah, bah oui. Alors il y avait une légende ancienne, tout le monde s'est toujours demandé pourquoi cet animal avait des cornes de cette forme-là. Et il y avait une légende très ancienne qui disait qu'en fait c'était pour se reposer. Il accrochait la tête à une branche par ses cornes et il se reposait. Alors c'était un peu folklore. C'est joli. Mignon, ouais. On va regarder une autre photo. Deuxième photo. On dirait un kangourou arboricole. Celui-là, vous l'avez pris alors, de loin. Alors, il est très rare. Mais quelle taille a ce truc-là? Il est petit, celui-là. Il est grand comme ça. Ça fait 40 cm à peu près. 40 cm. Et il ne vit que dans les arbres. Il descend très rarement à terre. Et c'est un kangourou. Il saute. Il saute très maladroitement, ce qui est assez curieux parce que. Il est aussi maladroit dans les arbres d'ailleurs, mais comme il n'a pas de prédateur, il survit. C'est un petit carmousse des arbres. C'est ça. Il ressemble au marsupilami quand on le voit en entier. Il a la queue. Il a une grande queue, c'est un vrai petit carmousse. Et il vit dans le nord-est de l'Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée. On va regarder une autre photo, Nino, si vous avez des questions, c'est passionnant. C'est le couscous, c'est ça? C'est le couscous. Oui. Qui vit également en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y en a plusieurs espèces. Ça s'appelle vraiment couscous. Le couscous. Ça s'écrit comme le couscous? Comme le couscous. Enfin, dans le pays, ça s'écrit... Oh, qu'est-ce que c'est mignon. C'est ça, le couscous? Oui, c'est ça, le couscous, variété claire. Et ça, qu'est-ce que c'est? Dites-nous ce que c'est. C'est un rongeur? C'est un marsupial, donc la même famille que le kangourou. Et un bananaphage. Oui, c'est un animal qui se déplace très lentement, parce que comme il ne mange que des feuilles, il n'a pas beaucoup d'énergie à dépenser. Et comme le paresseux en Amazonie, il a la même adaptation et il se déplace très lentement. Et c'est aussi en voie de disparition, tout ça. C'est aussi en voie de disparition. Il est chassé par les papous qui, d'une part, le mangent, d'autre part, utilisent sa fourrure pour se faire des parures décoratives pour les cérémonies. On ne peut pas reprocher aux papous qui, j'imagine, depuis des siècles, chassent le... Oui, le problème, c'est que maintenant, ils utilisent beaucoup de chiens pour chasser le couscous. Le couscous. L'animal que vous avez eu le plus de mal de trouver, c'est quoi? C'est le babiroussa, je pense. Oui, c'est le babiroussa, parce que... Qu'on va revoir si on a remonté. Moi, j'ai un souvenir littéraire sur le babiroussa. Il en est question dans un roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Il y a babiroussa dedans. On parle d'un babiroussa, oui. Babiroussa, ça veut dire, en fait, cochon cerf. C'est en indonésien, puisque avec les cornes qui sortent de la tête. Oui, alors vous rapportez donc ces témoignages, pour conclure, pardonnez-moi, vous rapportez ces témoignages de dire voilà, il y a tel et tel et tels animaux qui sont en voie de disparition. Est-ce qu'en même temps, vous essayez de faire passer des solutions à qui de droit? Je ne sais pas à qui d'ailleurs. Voilà, on essaye. En fait, il y a des gens sur place, il y a quelques personnes sur place qui essaient de s'occuper de leur survie, mais ces gens n'ont pas beaucoup de moyens parce que personne ne connaît ces animaux, donc personne n'est très concerné. Et nous, on essaie de les faire connaître dans la mesure de nos possibilités pour que ces gens puissent continuer à faire leur travail. C'est eux qui sont spécialistes, qui connaissent très bien. D'accord. Et puis ce sont en général des scientifiques, et ce sont des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le côté médiatique, faire connaître et ces animaux. Ils en ont besoin pour la survie. Non, ce sont les gouvernements qu'il faudrait intéresser à ce problème, parce qu'en fait, il y va de la survie de l'espèce humaine, tout simplement. C'est clair, mais les gouvernements ne peut survivre sur la planète qu'à condition que le biotope reste dans sa conformité. Alors par exemple, si des gens nous regardent et disent tiens, je ferais bien un truc pour le couscous, ou pour le babiroussa, écrire à leurs députés, non? On connaît des gens, nous, sur place, en
en Indonésie qui ont des projets pour le Babirusa. Mais il y a des gens aujourd'hui. Non, mais là, aujourd'hui, bon, il faut 36 ans. Il y a des organisations. On va leur regarder, on va leur donner une adresse. Ils appellent le VVF à Paris et ils peuvent avoir tous les renseignements sur ce qu'il est possible de faire pour sauver ces animaux. Ok, nous allons remercier l'agence Gamma qui a eu la gentillesse de nous prêter ces photos. Merci à vous deux. Et puis, on peut dire que Jean-François Lagro et Isabelle Proutou, ils veulent repartir, ils cherchent des sponsors. Oui, nous partons chercher le panda rouge dans l'Himalaya et donc... Voilà, les sponsors sont bienvenus, c'est ça? Les sponsors sont les bienvenus. J'imagine. Voilà, donc ils font 36-15 TF1, etc. Et nous prendrons la commission d'usage, bien évidemment. Merci beaucoup. Je plaisantais. Merci, applaudissements pour ces deux jeunes gens qui parcourent le monde à la recherche d'animaux qui disparaissent. Nous allons maintenant parler de l'actualité de Nino Ferrer, Patrice. Et l'actualité de Nino Ferrer, c'est un nouvel album, enfin qui est là déjà depuis un petit moment, qui s'appelle La Désabusion. C'est bien ça? C'est bien ça. Qui est un mot donc inventé, comme vous aimez pratiquer ce genre de sport. Mais je croyais, mais en fait, j'ai trouvé dans un poème moyenâgeux le mot abusion. Et donc, si abusion était employé au Moyen-Âge, je suppose que désabusion était employé également. Disons une contraction, même que, quoi. Voilà, oui, enfin, hein? Oui, une contraction. Illusion et abus. Comment peut-on qualifier votre disque? Parce qu'on vous retrouve évidemment. Je reprendrai la définition d'un journaliste que je connais qui s'appelle Franck Tenaille et qui l'a qualifié d'objet sonore non identifié. Dosni. Mm-hmm. Voilà. Je ne sais pas, c'est la production régulière d'un artiste marginal, solitaire et. Et qui se sent bien. Qui se sent parfaitement bien dans sa peau et qui n'est rattaché à aucun. Courant et à aucune puissance économique. Mmh. Voilà. Et qui continue à faire, par exemple, là, dans cet album, il y a une chanson faite avec uniquement des prénoms. Oui, mais enfin, bon, ça, c'est juste un gag, quoi. Oui, non, mais enfin, il y a. Oui, il y en a aussi, oui. J'aime bien faire jouer les mots. Vous aimez bien les gags ? Oui, j'aime bien les gags, j'adore. L'écriture. Oui, oui, j'aime bien ça. Ouais. J'aime aussi parler de choses plus sérieuses. Patrice ? Vous avez écrit les musiques ? Je fais tout. Paroles, musique, arrangement, enregistrement, mixage, pochette, tout. Je fais tout. Oui, je suis un artisan. Oui, vous avez peint. Enfin, vous êtes peintre. Oui, vous peignez. Aussi, ouais. Et ce qui illustre la pochette, c'est une peinture de vous. Ouais, absolument. Ouais. Ouais. Et que je dois avoir. Voilà, ben voilà. Le single. Mon cuc. Parce que. Parce que c'est près de là que j'habite. Ah, voilà, très bien. Tout simplement. Vous habitez près de c'est mon un cuc. Pays absolument charmant. Magnifique. Ouais. J'habite pas mon cuc, j'habite un petit patelin qui s'appelle Saint-Cyprien. Mais les gens me disent toujours, ah, vous habitez mon cuc, parce que cette ville a la particularité d'avoir un nom qui provoque l'hilarité immédiate de tout Français. Bon, c'est assez rigolo, faut dire. Non, on comprend pas, oui. Si, c'est vrai que c'est... Au début, ça m'énervait. Puis j'ai fini par me laisser contagier par l'hilarité générale. Si on fait un truc comme ça enchaîné, ça fait « Où t'habites, mon cul ?» C'est limite, hein, quand même. Hein. Pardonnez-moi, Nino. Patrice ? Non, on est en train de regarder vos peintures qui sont formidables. Mon cucoise. Oui, oui. Alors ça se passe où? Dans un atelier où vous êtes enfermé tout seul? Dans mon salon. Avec non. du bois? Non, dans mon salon. Mm-hmm. Ouais. Bon. Moi, je fais ça artisanalement, à la maison, chez moi. Mes disques aussi, hein. Mon disque, il a été fait chez moi. Et puis vous fini. Avez un studio chez vous? Non, j'ai pas de studio. Je loue du matériel. C'est trop cher maintenant, un studio. Le matériel informatique coûte trop cher. Mais ça se loue très facilement. Et puis ensuite, on va finir ça dans un grand studio professionnel. Est-ce que vous exposez? Et oui, j'expose. À mon cuc ailleurs aussi. Et d'ailleurs, cette année, je vais exposer à Paris également. Bon, vous aurez la chance de vous dire où. Voilà. Ah oui, je vous préviendrai. Ouais. Patrice. Il y a une tournée aussi en mars-avril? Oui, il y a une tournée qui commence, je crois, le 17 avril, il me semble. Non, le 17 mars. Oui, pardon. Mars. Et c'est un festival qui s'appelle Chorus, dans les Hauts-de-Seine. Est-ce qu'il se passe une année sans que vous fassiez de scène? Ouais. Ouais. Là, il s'en est passé 6. Ah ouais, ça manque? Non, il y a un moment où les circonstances, les rencontres font que j'ai envie de remettre ça. Vous allez faire évidemment les nouveautés. Je fais de tout, je fais toujours un mélange de tout. Vous savez, ce sont toutes mes chansons, je les aime bien, les vieilles comme les votre meilleur souvenir des vieilles? C'est difficile, il y en a tellement. Comment répondre à une question pareille? Ah, bah, je sais pas. Non, je suis incapable de répondre. Bon, je n'ai mais que ne répondez pas. En fait, je n'ai que des bons souvenirs, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire, et les mauvaises choses, je les oublie en général. Ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, ça évite d'être embêté. On va prendre une question au magnéto. Regardez bien, vous allez choisir parmi les têtes que vous allez voir, celle dont vous désirez qu'elle vous pose une question. Et qui ne vous est pas forcément adressée personnellement. Hein. J'y vois pas très bien, mais je prendrai la personne en rouge au milieu. La numéro 2, nous avons M. Frolli, la numéro 2. Bonjour, seriez-vous tenté par un voyage intersidéral? Ben, dans l'état actuel des choses, là, les cabines spatiales ne me semblent pas extrêmement confortables. Dans quelques années, quand ça sera un petit peu plus modernisé, Vous iriez, sérieusement? Vous iriez? Non, dans quelques années, oui, mais enfin, ça sera trop tard pour moi. Non. Ah, actuellement, alors, hors de question. Ah ben non, être assis sur une bombe volante comme ça, non, hors de question, bon, absolument. Donc la réponse est non. Pour l'instant, non. Deuxième choix, Nino. Alors là, je prendrai la première dame. C'est la 4. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous savez danser le rock?
Ah, pas du tout, non. Je suis très très mauvais danseur. Non. Comme tous les maigres, vous savez, les maigres ne sont pas de très bons danseurs en général. Est-ce que les gros, ils ont une certaine aisance, vous n'avez pas remarqué? Non. Ah si, si, je vous assure. Hein. Ah, je vous assure, absolument. Ouais, un autre choix. Bon, eh bien, je dirais le monsieur du milieu, là, le 8. Ça, c'est moi. Ah, pardon. Le 8. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me chanter ma chanson préférée? Laquelle? Singing in the Rain. Singing in the Rain. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Just singing. Il l'a fait, mesdames, messieurs. Sans qu'on insiste, donc ça peut bien. Tout de suite. Donc vous pouvez. Vous pouvez le faire. Regardez bien. Un petit hommage de la maison avec un petit arrangement post-moderne, avec un petit matériel, on arrive à faire des choses. Regardez, mesdames, messieurs, un petit condensé, on appelle ça un medley. Charlie et Lulu. Hop. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Oh là 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 là, vous avez pas vu Mirza. Oh là 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 là, où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Sa cousine, elle est divine, mais son cousin, il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole, monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Y a téléphone qui sonne, mais y a jamais personne qui répond. Gaston, y a téléphone qui sonne, mais y a jamais personne qui répond. Un tabac donc de Charlie et Lulu. Un petit hommage. Vous étiez habillé comme ça à l'époque? Col Mao comme ça. Ah oui, là c'est un col Mao un peu ouvert. Ouais. Une autre. Merci les gars, merci. Ciao, ciao. Alors. Une autre, ils disent. Une autre, mais c'est. Si je voulais y aller, mais qu'est-ce qu'on va chanter? Mais les mêmes. Les mêmes. Non, pas toutes les mêmes. La première est trop triste, non. D'accord. Alors le téléphone. Le téléphone. Le téléphone. Les cornichons. Non, on l'a pas. Cornichons. On l'a au vrai. Alors, des cornichons, ça fait... Mais je sais pas les paroles, mais les cornichons. De la moutarde. Non, oui, alors ça commence. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs. Des cornichons. Bam, 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 bam.
du cornet de bif, et les biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres, et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé trois jours sans s'arrêter. Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets, et la radio, le poulet froid. La mayonnaise, coin, coin. Le chocolat, coin, coin. Les champignons, coin, coin. Les œufs en boîte, coin, coin. Et les tomates, coin, coin. Les cornichons, coin, 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 coin. Yeah. Bravo. Ah, c'est bien, Acapella. Pleine forme. Acapella, c'est mieux. Oui. Allez-y, allez-y, c'est bon, il prend tout. Mais votre coin, coin, je trouve qu'il était un peu léger, hein, quand même. Ah, c'est vrai. Ouais. Bah, il faisait coin, coin. Coin, 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 mais c'était pas assez fort, on l'entendait pas assez, il faut plus de pêche. Ta, 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 ta. Non, on a mis de la pêche là. Il faut un peu plus de pêche. Ouais, ouais. Mais moi, c'est pas mon truc. Est-ce que vous aimez les sciences? Ah, j'adore ça. Hein? J'adore ça. Vous adorez ça? Ah, il n'y en a bien. Pas ce soir. On y va tout de suite, mesdames, messieurs, le professeur Ivar qui est en place, qui nous rejoigne. Hop, hop. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Christophe. Dino et Patrice sera tout au bout pour bien nous regarder. Solitable. Hein. Dans la chanson, on parlait un petit peu de nourriture. On va rester dedans. Ce soir, on va apprendre à fabriquer à la maison tout simplement du fromage. Il faut du lait entier, du lait de vache, de préférence, ou du lait de chèvre, ça peut fonctionner aussi, mais du lait de vache entier. Qu'on achète à peu près partout chez son laitier habituel. Oui. Et un petit peu de vinaigre et du vinaigre blanc. C'est important. Sinon, ça donne une couleur un petit peu bizarre. Ensuite, voilà. Ensuite, on mélange donc, on prend un verre de lait et on mélange une petite cuillerée à café de vinaigre dedans et on laisse agir une journée. Et on obtient ça. Du fromage blanc. Vous appelez ça c'est pas fromage. Vraiment du fromage blanc, c'est un début de c'est un début de fromage. Hein. Blanc. Mis à part les pâtes cuites, en fin de compte, tous les fromages passent par ce stade-là. Ça se laisse goûter. Ah ouais. Bah oui, ça se laisse goûter. Bah oui, oui, il faut qu'ils se fassent les fromages. C'est du yaourt. Bah, c'est entre le lait et le fromage, donc c'est un petit peu de yaourt. C'est carrément du yaourt, oui. Donc là, la procédure pour arriver à quand même en faire du fromage... Oui, parce qu'on va pas en faire un yaourt. Voilà. C'est de le passer, de le verser. Regardez, on le verse comme ça. Dans un tamis. Dans un petit tamis. Alors, un petit tamis, comment il s'appelle? Alors, ça peut être soit une petite compresse, soit une petite... C'est une petite compresse ou une petite... Donc, voilà, et on prend avec les doigts, et comme à l'ancienne, en fin de compte, on fait une petite faisselle. Ah oui, ça c'est très bien, avec bien sûr, pour alors, faire. Il faut arriver donc à. Avec Vladimir. Avec Vladimir. À bien le remplir. Vladimir pour faire la faisselle. Et on peut presser légèrement dessus. Doucement, Patrice, on presse pas trop fort. Et à côté, vous avez un petit fil. Un petit... Pour en extraire le jus. Voilà, exactement. C'est ça, c'est une compresse. Le petit lait. Le petit lait qui coule et qui va permettre. Ça coule de partout. Non, mais Patrice, c'est quand même pas bien compliqué. Vous prenez les quatre petits coins, vous fermez délicatement. Oui, bah, voilà. Donc, c'est pas évident, comme dirait regardez, Dino. Bon, regardez. It's a job. Voilà, regardez. C'est quand même pas bien compliqué. Ah. Oui, bah, faites pas le malin, vous avez répété pendant 3 semaines. Absolument pas. Ah, ça fait couler le jus, c'est ça? Exactement, ça fait couler le petit lait. Faut quand même pas non plus presser comme un fou, Patrice, parce que sinon, il ne reste plus du tout de fromage. Allez, c'est bon. Donc, on laisse... Oh, la mienne, elle saigne. À un moment. Oh là. Là, vous en perdez. Vous en perdez la moitié. Bah vous aussi. Oui, un petit peu. Et donc, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse ça suspendre ou en bas de son réfrigérateur. On suspend. On suspend un petit clou. Suspend ou dans une pièce froide, fraîche du moins. On suspend la petite compresse. Et voilà. On la suspend et au bout de... On va se tromper. On suspend tout ça pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, on a du fromage frais. Donc, vous pouvez... L'accrocher là, si, Nino, si vous voulez la garder, ça fait un très bon petit fromage frais. Donc oui, là, c'est sympa pour le voyage. Dans le train, ils vont être contents, les voisins. Et si alors là, on a vu que c'était assez liquide, mais au bout de... Là, c'est simplement... On l'a ça gougoute. Ah oui, Patrice, mais vous faites quoi? C'est pas... Avec lui, il ne reste plus rien. Lui, il a extrait l'extrait, quoi. C'est... Non, mais si vous allez... Ouais, c'est ça, c'est que si on va trop vite, on extrait tout. Complètement. Donc, on laisse comme j'ai ça pendant vite, mais 2 jours. Et là, celui-là, je l'ai fait ce matin. Donc simplement, en une demi-journée à peine, on obtient voilà, un petit fromage frais. Regardez, qui est quand même assez compact. Celui-là, je l'ai fait ce matin, c'est bizarre, ça me donne de couleur, votre truc. Vas-y, vous voulez goûter, mais il est très bon. Bon, vous êtes gentil, si vous l'avez fait ce matin... Ouais, alors, allez-y. Il est excellent, parce que vous avez tort. Un petit peu de truc qu'il a fait ce matin. Alors, j'oubliais une petite chose aussi importante. Là, c'est normal, le matin, on se lève, qu'est-ce qu'on fait? Clac. Une chose, on fait ça. Une chose importante aussi pour accélérer un petit peu le processus. Vous avez un petit côté albino, c'est pour ça que vous faites... On saupoudre un petit peu de sel.
pour accélérer le processus d'évaporation. Le procès, c'est vrai que c'est bon. Hein. Le mécanisme, c'est bon. Hein, ah ouais. Bon. Ouais, c'est délicieux. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors c'est simple, on réunit, c'est simple. Il y a un processus, hein, il y a une petite compresse. Bon, il y a le truc délicat du matin, mais ça, faut être albinos. Bon, évidemment, on l'a su. Donc c'est clair et ça et donne ça... un petit fromage. Frais. Et si on le laisse évidemment quelques jours, ça devient un vrai petit fromage. On peut évidemment le parfumer avec, comme un célèbre, avec de l'ail, avec du poivre, avec du sel. On peut le parfumer un petit peu comme on veut. Et on a un petit fromage prêt. Est-ce que si on le laisse plusieurs jours, est-ce qu'il fermente un peu et qu'il ça devient un petit fromage, tout à fait. Parce que là, vous le laissez deux jours comme ça, vous le sortez, vous le remoulez un petit peu, vous lui donnez une forme de petit crottin de chavignol ou de choses comme c'est ça. C'est ça. Et on le démoule le matin, on le remoule le soir. Et on le redémoule le lendemain matin. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu. Si, on est convaincu. Moi, si. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, professeur Hilbert. Merci beaucoup. Et la publicité, immédiatement, on se retrouve avec Nino, Patrice et Tolle. Merci beaucoup. Qui est avec nous, Patrice Carmouze, et nous allons immédiatement passer, Nino, à la tradition du vendredi qui est le Ni Oui Ni Non. Est-ce que vous savez jouer au Ni Oui Ni Non? Moyennement, mais enfin, oui. Vous avez déjà pratiqué? Quelques fois. Là, il suffit de poser les questions en plus. Voilà, c'est plus facile. C'est plus facile. Première gendarmerie, je ne sais pas laquelle est-ce, il semblerait que ce soit celle de Cahors. C'est près de chez vous? Ah, c'est Quercy. C'est chez moi, carrément. C'est chez vous. Bah, regardez, on va être avec eux. Ils vous connaissent, les gendarmes? Ici, la gendarmerie de Cahors. Bonjour, monsieur. D'accord, mais enfin, il faudrait peut-être speeder un petit peu, parce que... Ah. Ici, Christophe de Chavannes. Oui, monsieur de Chavannes, je vous écoute. Ah, bonsoir, monsieur. J'ai à côté de moi Nino Ferrer, dites-moi. Bonsoir. Et j'ai à côté de moi Patrice Carmouze également. Bonsoir. Êtes-vous prêt, monsieur, à faire un ni oui ni non pour éventuellement remporter le filet garni au bout? Oui, attendez, n'est-ce pas. Au revoir, monsieur. Vous avez perdu, vous avez dit tout et attendez. Fait rien, deuxième chance. Nous allons démarrer ce soir exceptionnellement par la deuxième chance. Il cherche probablement le spécialiste cadurcien. Le docteur S. Ni oui ni non. Ah, non, il replie son sandwich. Allô? Oui. Bonsoir, jeune homme. C'est pas le même monsieur que j'ai eu? Non. Ah, bonsoir, jeune homme. C'est donc Christophe de Chavannes à l'appareil. Coucou, c'est nous. À ma gauche, Nino Ferrer. Bonsoir. Et à ma droite, Patrice Carmouze. Bonsoir. Quel est votre prénom, jeune homme, pour un ni oui ni non? Philippe. Philippe, qu'est-ce qui se passe avec votre téléphone? Rien. Vous ne mangez pas de biscottes à côté ou chose comme ça? Pas pour l'instant. Il y a de forts bruits. Alors attention, vous êtes prêt pour un ni oui ni non? C'est parti. Vous êtes gendarme de carrière? Je suis gendarme auxiliaire. Ah, auxiliaire, depuis combien de temps? Depuis 18 mois. 18 mois, et vous allez faire? Un VSL. Un VSL? Voilà. Pour faire la VSL? La dîme. La dîme. Volontaire service long. Ah, c'est-à-dire combien de temps? 3 ans. Et qui va m'amener à 24 mois de service militaire. Très bien, 24 mois, dites-vous. C'est exact. On n'est pas passé loin celui-là. Nino, une question? Oui, je voudrais savoir si vous utilisez toujours des motos Honda. Des motos Honda? Nous n'utilisons pas ce type de moto. Nous utilisons des motos BMW. Et des BM? C'est exact. C'est exact. Ce sont des motos allemandes. Il y a de fortes chances. Non, ce sont des motos allemandes. Il y a de fortes chances que ce soit de motos allemandes. Il y a plus que de fortes chances, Philippe. C'est certain. C'est certain. Donc j'ai raison. Vous avez raison. Vous êtes sûr? C'est certain. Patrice? Et comme voiture, c'est des BMW aussi? Nous utilisons du français pour les voitures. Ah, quoi comme français? Genre Citroën? Tout à fait, voilà. Tout à fait. Non, moi, je voulais poser une question parce que la voix de ce monsieur, Philippe, là, me fait penser. Est-ce que c'est pas vous qui m'avez verbalisé la semaine dernière, juste au carrefour, là, pour aller sur Montauban? Vous savez, Montauban, Valence d'Agen. Je doute que ce soit moi, parce que je ne suis uniquement au COG. Et le COG, c'est le... Centre opérationnel de la gendarmerie. Très bien. Vous travaillez plutôt dans les bureaux ou plutôt sur le terrain? Je suis dans les bureaux, là. Et vous préférez le bureau ou le terrain? Je n'ai pas connu le terrain en gendarmerie, je ne suis uniquement dans les bureaux. Et encore 6 mois? Pardon? Encore 6 mois à faire dans la gendarmerie? Jusqu'à fin août. Vous êtes... 6 mois? Et bien, ça doit faire 6 mois. Ça va faire 6 mois, oui, Patrice, oui, à peu près, oui. 6 mois, hein, c'est ça? À peu près ça, oui. À peu près. Ah oui, il a dit oui, mais enfin, il avait gagné depuis longtemps. Applaudissements pour ce jeune homme, mesdames, bravo. Messieurs. Bravo. Philippe de la gendarmerie de Cahors, qui vient de gagner un filet garni. Oui. Alors, il a permis... Qu'est-ce qu'il a gagné? D'abord, de faire gagner la gendarmerie le téléviseur couleur Kaisui 55 cm PALSECAM. Est-ce que vous aviez déjà un téléviseur à la gendarmerie, Philippe? Nous ne possédons
proposer, donc pas de téléviseur. Non. Ah, il ne dit jamais, lui. Ouais. C'est même pas dans la vie, il ne dit jamais. Oui. Ça va bien ? Ça va. Alors, est-ce que vous avez une personne de votre choix ? Ma fiancée, oui. Oui. Eh bien, vous allez pouvoir l'emmener en Guadeloupe pendant une semaine. Ah. Une semaine en Guadeloupe ? Eh ouais. Ah, c'est très bien. Eh ouais, Philippe. Alors là, vous voyagerez. Vous voyagerez, vous vous dites évidemment sur quelle compagnie aérienne vais-je voyager? Vous voyagerez sur les lignes régulières de la compagnie Air Liberté. Et vous serez hébergé, Philippe, écoutez bien et regardez bien surtout. Vous serez hébergé à l'hôtel 4 étoiles La Plantation Sainte-Marthe, ou Saint-Marthe, dominant la baie de Saint-François. Vous profiterez de ses très très beaux jardins, de sa piscine et accessoirement de la mer des Caraïbes. Dites donc, Fifi, gâté. Très gâté, oui. Vous êtes content? Très content. Il a l'air ému, non? Assez. Ouais, super, ben parfait, génial, Fifi. Profitez-en, comme ça, si vous ne connaissez pas le terrain en gendarmerie, là, vous le connaîtrez là-bas, en tout cas, vous voyez. Voilà. Voilà, ben voyagez bien, soyez gentils, envoyez-nous une carte postale. Et ben, bisous à la fiancée pendant les vacances, hein. Profitez-en bien. Bonne Guadeloupe. Ok. Bon, voilà. Au revoir, Philippe. Au revoir. Salut, au revoir. Applaudissements pour Philippe. C'était donc la gendarmerie de Cahors. De Cahors. Vous allez chercher quelqu'un? Non, allez-y. Oui, oui, mais vous expliquez quoi? Oui, ben, tout à l'heure, on a chanté un peu les cornichons. Hein. Oh là ouais. Là. Et dans les cornichons, il y a tout pour faire hein, un pique-nique. Pique-nique. Ouais. Voilà. Et donc, Muriel va arriver dès que... C'est équipé pour vous inviter à un pique-nique, en fait. Vous m'invitez, moi? Oh, pour vous inviter, vous, je pense, à un pique-nique, oui. Moi, tout seul? Vous, tout seul. Je sais pas si elle va nous inviter. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a été très impressionnée, je vous dis, par les cornichons qu'a sorti tout à l'heure. C'est très pratique. Et elle veut à tout prix faire un pique-nique. Un petit pique-nique. Allez, alors, mesdames, messieurs, applaudissements pour Muriel. Muriel qui va nous parler ce soir de l'art du pique-nique, de la promenade en extérieur, de la... D'abord, ça vient d'où, pique-nique? Un pique-nique, ça vient de, d'abord, pique, qui veut dire picorer. Et nique, qui veut dire nicorer. Justement, je me suis posé la même question, c'est pour ça que j'ai cherché. Non, c'est l'ami nique, nicorer. C'est un vieux mot français qui veut dire petite chose. Donc, c'est picorer des petites choses. Ah. Donc, voilà, proposais, j'ai très envie de vous inviter donc, à pique-niquer avec moi. Je suis ravie. On va les laisser. Ah bon? Oui, oui, on vous laisse. Le chapeau, c'est pour moi, là. C'est pour quel chapeau? Ah, vous allez partir tous les deux au pique-nique, ça veut dire vraiment le romantisme à l'état pur. Vous allez partir tous les deux. Voilà. Partir sur une espèce de pelouse qui est ici, une espèce de petit coin de paradis. Et ça va être très bucolique et ça va même vous aider. Voilà. Avec pique-nique. Bah, écoutez, asseyez-vous, je vous en prie. Là, par exemple. Voilà. Voilà, alors ce qui est important pour un pique-nique, c'est d'abord, c'est respecter la nature. C'est toujours avoir, par exemple, s'asseoir par terre. C'est important de s'asseoir par terre pour que les pieds sentent l'herbe, que les mains sentent l'herbe, la terre. C'est pas la peine de chercher à recréer son salle à manger dehors. Si on est vraiment dans la nature, autant en profiter. C'est ne pas, c'est plutôt écouter les chants des oiseaux et pas mettre son transistor à fond. Il faut aussi, c'est pas parce qu'on est en pique-nique qu'on va se priver d'utiliser des matériaux un peu en plastique. Au contraire, on va plutôt choisir donc de l'osier. On va installer une belle nappe. Donc, voilà. C'est une idée. Elle est belle ma nappe, non? Magnifique. Voilà, vous entendez les petits oiseaux, c'est agréable. Et en plus, ce qui est agréable, les vrais couverts aussi. Et en plus, c'est vrai que quand on s'enferme dans des restaurants un peu confinés, enfumés, quand on sort de ces restaurants, on se demande toujours où aller, chez lui, chez moi, à l'hôtel. Alors que là, ben, voilà, là on a tout l'espace à nous pour après faire ce qu'on veut. S'allonger par terre, regarder le ciel, les nuages, faire une sieste un peu plus... C'est un don, ça, je te dis. Oh, c'est là. Et voilà le problème. On va pas déranger, il y a toujours...
C'est l'esprit très grégaire des gens, c'est-à-dire que... Un peu dit, oui. La nature est très grande, mais en général, les gens vont toujours se coller les uns aux autres. Excusez-moi. Ah, dis donc, c'est éclatant, ça me venir en week-end. Excusez-moi, monsieur. Merde. Excusez-moi, vous ne pourriez pas aller un peu plus loin, parce que c'est... C'est à tout le monde. Attendez. C'est à tout le monde, ici. Enfin, il faut respecter la nature, ça fait pas... Excusez-la, elle est énervée. Excusez-nous, ça, monsieur. Oh, regarde. Ça serait pas... Cornichon. Ah ouais, 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 ouais. On va voir un coup avec vous. Un peu votre transistor, parce qu'il y a des... Non, le chant des oiseaux, c'est agréable. Enfin, nous, on est venus ici pour être plutôt pour profiter de la nature, la respecter. Non, merci. Nous aussi. Vous voulez manger avec nous, partager des saucisses? Non, ça va. Tu vas faire barbecue, ma mère, parce que c'est la bourre, là. Dépêchons-nous, vas-y, finissez, non, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, un pique-nique aussi, voilà, c'est ça. Ne pas aller se coller aux gens. La nature est suffisamment grande, donc peut chacun se préserver des espaces un peu de solitude. Ne pas mettre la musique à fond. Et alors le défaut le pire, c'est quand même ceux qui... Fais péter, on va s'en mettre juste là. C'est ceux qui gâchent la nature, laissent des papiers gras partout. Non mais... Non, ça c'est vraiment sérieux. Il faut ne jamais respecter vraiment les endroits où on va. On se permet d'aller manger dans la nature. C'est pas une raison pour laisser des papiers gras partout. Et ça c'est une véritable honte que l'on trouve des boîtes de chips par terre. Ça c'est vraiment la honte. On peut pas faire. Bon, ben nous on va y aller, hein. T'écoutes Jean Bonneau ? On va y aller. Donc voilà, là on a vraiment montré évidemment ce qu'il fallait pas exactement, faire. Exactement, ce qu'il fallait absolument pas faire. Il faut se conduire avec la nature comme avec une jolie femme, grosso modo. C'est ça? Oui, ben oui, tout à fait. Bien exactement. Sûr. La comme respecter. Comme avec une jolie femme, oui. Émilie? Oui, il faut se conduire avec la nature, comme avec... Comme non, ça. Et puis il faut respecter les... Non, pas très... Non. C'est son grand truc, c'est jouer avec la bouffe. Continue. Il faut respecter... Allez, très en forme. Excusez-nous, vous étiez oui. En... Hey, je suis sûr que vous étiez genre mais voilà, on un est... rendez-vous romantique. Non, mais on allait bientôt conclure. Et non, c'est un très beau moyen de séduction, le pique-nique. On est seul dans la nature, il fait bon. Mais c'est vrai que si tout d'un coup, il arrive ça... Lève, et voilà, si tout d'un coup, arrive ça, c'est une catastrophe. C'est la mouise. Non, il faut respecter la nature, mais il faut respecter les gens aussi. Il faut pas aller... C'est une tendance, les gens ont tendance à aller se coller aux autres. La plage est immense, mais tant pis, on va se mettre à côté des autres. Il ne faut pas non plus respecter les autres, leur liberté, les laisser... faut pas être voyeur ou grégaire, comme ça. Pas être pénible. Et ne pas... Quand vous jouez, ne pas lancer les ballons sur les autres, ne pas jouer à la... On va jouer dedans, vas-y, continuez. Ne pas... Voilà. Bah non, parce qu'on vient avec Mémène, on sort pas souvent, forcément, on rigole. Alors forcément, on est là, on s'amuse. Tiens, Mémène, amuse-toi avec le monsieur, là, ça va le faire rigoler, je suis sûr. Elle est con, Mémène, elle est con. Pareil, vous... Ah la vache, qu'est-ce qu'on se fend la gueule le dimanche. Retourne. Et où que tu m'as mis mon autre revolver? Ah, fais-moi la mariole à la maison, ah, hein. Ah, voilà. Alors, pétanque. Ça, c'est avec de l'or. Oh, une pétanque. Une pétanque. Allez, vous allez pas jouer avec nous. Vous allez pas jouer à la pétanque. Allez, une pétanque, là, je vous prends en moins de deux. Crac, crac. Autre chose qui est important, vous avez... Vous avez essayé de recréer votre salle à manger. Ça sert à rien. Pourquoi vous avez... Il faut s'asseoir sur l'herbe, sentir l'herbe, on le va aller gazon. S'asseoir sur l'herbe. On est en train de se quitter, Mémène. Viens vite. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Nino Ferrer, qui a accepté avec nous de faire cette émission. Avec un album que vous trouverez évidemment partout et qui s'appelle Désabusion. Merci Nino. Portez-vous bien. J'ai envie de vous raconter une histoire parce que c'est drôle. Ah ben oui, mais là on s'en va. Attention, c'est fini. Bon week-end. Passez un bon week-end. À lundi avec Wendy. Merci Lionel.